Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, nous découvrons La femme ours de Carolina Ramqvist aux éditions Buchet-Chastel. Une recommandation de Marc-Emmanuel Kripa de Payot Libraire à Lausanne. Dans La femme ours de Carolina Ramqvist, on suit l'histoire d'une autrice qui est le personnage principal, qui n'a pas de prénom et qui pourrait très bien être l'auteur de ce roman. Elle va s'intéresser à la vie d'une femme qui a réellement existé en 1540, qui s'appelle Marguerite de Navarre, qui était en fait une noble proche de François Ier, du roi, et qui va en fait partir de la France pour coloniser le Québec, enfin une région proche du Québec. Donc on suit ce personnage principal qui est la romancière, qui va en fait chercher à se documenter sur ce qu'on sait réellement de ce personnage, Marguerite de Navarre, sur cette période, etc., etc. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'il y a plein de similitudes entre la vie de ce personnage, cette écrivaine, et la vie de ce personnage historique. Et les deux vont se fusionner. Ce personnage historique, il faut savoir, elle a subi quelque chose d'assez terrible lors du voyage en bateau en vue de cette colonisation. Elle va tomber enceinte d'un hors mariage et elle va être abandonnée sur une île. Et on va suivre cette grossesse. Et c'est très intéressant sur des thématiques de maternité. Et c'est très intéressant aussi de voir comment elle cherche à se libérer de ces thématiques dites de femme parce qu'elle veut un discours féministe derrière. Je trouvais vraiment remarquable. Merci beaucoup. Je me rends compte à présent que cette histoire n'a ni début ni fin. J'écris qu'elle commence par la mort parce que c'est tout ce qui me paraît sûr. Son père disparaît, la laissant seule. Voilà tout ce que je sais. C'était La femme ours de Carolina Ramqvist pour Marque Page. On se retrouve bientôt chez votre libraire avec une grande envie de lire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.